Bonsoir et bienvenue à notre dernière conférence diffusée en direct de la saison du printemps. Donc, comme on l'a annoncé, on a décidé de prendre une petite pause pour la saison estivale, histoire de vous laisser les belles soirées comme on a ce soir pour observer. Donc, mais je vous rappelle que toutes nos conférences qui ont eu lieu ce printemps sont disponibles sur notre chaîne YouTube, dont celle qu'on va présenter ce soir. Donc, pour les journées ennuageuses, vous pouvez toujours venir faire un petit tour sur notre chaîne pour visionner une conférence peut-être que vous avez manqué ou revisionner une qui vous a vraiment intéressé. Donc, on est rendu, je pense, à notre 14e, incluant celle de l'année passée, si je ne m'abuse. Donc, beaucoup de contenu pour vous sur notre chaîne. Avant de commencer, donc, je vais me présenter comme d'habitude. Je suis Jasmin Robert, directeur général de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Et puis, on a une petite surprise pour vous ce soir. Donc, gracieuseté de notre conférencier. Alors, on a l'habitude de vous dire de vous abonner à notre chaîne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton abonnement ou subscribe. Pour vous abonner. Et puis, en plus, ce soir, parmi les participants qui vont assister à notre conférence en direct, nous allons faire tirer une licence du logiciel Chillix parmi les participants, comme je l'ai dit. Donc, pour avoir la chance de gagner, il faut simplement être abonné à la chaîne et puis écrire un commentaire dans le clavardage. Et puis, on va faire le tirage au cours des prochains jours parmi ceux qui auront laissé un commentaire et qui sont abonnés à notre chaîne. Donc, sans plus tarder, j'ai l'honneur ce soir de vous présenter un membre de la Fédération qui est très connu parmi vous. Donc, c'est M. Jean Vallière qui est le créateur du logiciel Chillix qui est utilisé aussi par plusieurs astronomes amateurs non seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde. Donc, préparez vos questions, c'est la soirée, si vous avez le logiciel, vous avez des questions sur le logiciel, c'est le moment idéal pour interagir directement avec le créateur du logiciel Chillix. Alors, je laisse la parole, sans plus tarder, à M. Jean Vallière. Bonsoir. Donc, lorsque j'étais professeur de physique et d'astronomie au Cégep, j'avais fait un logiciel dans le temps qui s'appelait le logiciel Kepler. C'était un logiciel pour les cours d'astronomie qui se donnait au Cégep. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait, en servant un petit peu de l'expérience que j'avais eue avec ce logiciel Kepler, j'ai décidé de faire un logiciel pour les astronomes amateurs que j'ai nommé Chillix. Il y en a qui disent Coelix, toutes sortes de choses comme ça, mais Chillix, c'est Chili, le ciel en latin. Puis le X, ben c'est pour, un X comme Astérix. C'est juste pour faire différent. Bon, ce soir, je vais vous présenter le logiciel d'une façon, présentant toutes les fonctions du logiciel, c'est absolument impossible. Je vais plutôt présenter certaines expériences ou préparation qu'on peut faire avec le logiciel. Donc, je vais commencer. Bon. Donc, justement, on peut faire plusieurs projets en utilisant le logiciel Chillix. Ceux que je vais présenter ce soir dans cette présentation-là. Je vais commencer par, mettons qu'on veut observer les phénomènes des satellites de Jupiter. On va faire une petite incursion dans le passé avec Galilée lorsqu'il les a découverts. Une autre chose qu'on peut comme projet qu'on pourrait avoir, ce serait photographier les satellites d'Uranus. C'est sûr que ça prend un petit équipement, mais avec le logiciel Chillix, on peut avoir de l'aide pour se préparer à cette photographie. Ensuite, observer les étoiles doubles. Même dans des conditions de ciel, mettons, urbain, ce sont des objets qui sont intéressants, surtout lorsqu'il y a des différences de couleurs. Ça fait des beaux objets à observer. C'est pas trop difficile. Ça prend des télescopes d'amateurs pas trop gros. Organiser un marathon messier.
Bon, c'est en groupe, essayer d'observer le plus grand nombre d'objets messiers, puis même il y en a qui ont essayé de tous les observer dans un seul soir. Ensuite, photographier une éclipse de lune. On va voir comment rechercher les éclipses de lune et puis les visionner avec Trélix pour les préparer la photo. Observer des comètes. Ensuite, préparer une photo du ciel profond avec les outils qu'on a dans Trélix. Piloter un télescope en utilisant Trélix avec ASCOM ou Sky Picket ou avec Arduino. Puis finalement, utiliser les possibilités de carte du ciel dans Trélix pour faire un atlas du ciel. Bon. Je vais maintenant commencer par le premier sujet, c'est-à-dire observer les satellites de Jupiter. Je m'en vais dans le logiciel Trélix. Bon, dans Trélix, pour trouver les phénomènes, ce qui m'intéresserait, moi, ce serait d'observer des phénomènes un soir où il y a plusieurs phénomènes qui se produisent en même temps. Donc là, j'ai cliqué sur les phénomènes du mois dans la section guide de l'observateur et je peux décider d'avoir une liste de tous les phénomènes qui sont indiqués ici à partir des phases de la Lune, des plus grandes élongations, en fin de compte, il y a un paquet de phénomènes, des pluies d'étoiles filantes. Pour aller plus vite, je vais tout désélectionner et choisir seulement les transits simultanés d'ombre ou de satellites sur Jupiter. Bon, j'ai déjà fait l'essai, là, pour aller plus vite, pas perdre de temps. Il n'y en a pas tout le temps. J'ai vu que c'est au mois d'août qui s'en vient, qui va en avoir. Je mets le mois 8, le mois d'août, et je clique sur OK. Et là, je vais obtenir la liste. Et voilà. Bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est parce que je veux absolument voir les soirs où il y a plusieurs ombres et plusieurs satellites, ombres de satellites et satellites en même temps. On voit que dans la nuit du 14 au 15 août, ici, c'est en heure avancée là, pour Montréal. Le site, c'est Montréal. On va en parler tantôt pour changer de site. Là. On voit que à minuit et 9, le 15, là, il y a des transits simultanés. Un satellite puis deux ombres de satellites. Donc, si on veut les visionner, on clique ici sur l'heure. Et puis, on peut dire, ben voir Jupiter dans la vue du ciel à ce moment. Ça nous dit où Jupiter est dans le ciel. C'est pas ça qui m'intéresse le plus pour le moment. C'est voir, mettons, le phénomène comme on le verrait à travers un oculaire, disons avec la vue agrandie. On aurait le choix aussi de voir les satellites sur leurs orbites, les graphiques des élongations. Je clique sur OK. Et j'ai Jupiter. Bon, je ne sais pas si sur votre écran, vous le voyez bien, mais ce que je vois ici, peut-être que je vais le mettre à l'endroit, il est à l'envers. On va changer le sens. Bon, vous voyez ici, il vient d'arriver, là, il y a le début du phénomène où il y a deux ombres. On voit l'ombre d'Io, le satellite Io ici qui est devant Jupiter. On voit ici Ganymède, le satellite numéro 3, et son ombre sur Jupiter. Et puis, on peut même faire des animations à partir de ce moment-là. Par exemple, à 4 minutes par pas. On va mettre 15 minutes pour aller plus vite. Vous voyez, se déplacer à tous les 15 minutes. Je vais l'arrêter. Évidemment, vous allez voir à un moment donné l'ombre sortir. Vous avez en plus ici la tache rouge. Est-ce que la tache rouge est au bon endroit sur Jupiter par rapport au moment où on l'observe? Dans Trélix, il y a moyen de mettre la tache rouge à la bonne place. C'est en utilisant ici préférences et ajustements et en allant ici dans tache rouge, longitude de la tache rouge. Bon, présentement, on a mis 336 degrés dans le système 2. Autrement dit, c'est parce que la tache rouge se déplace avec le système 2. On va le laisser comme ça. On peut aller vérifier sur Internet, sur le site de JUPOS. JUPOS, c'est un site sur Internet qui nous donne toutes sortes de renseignements sur Jupiter.
et aller chercher la longitude de la tache rouge sous forme d'un graphique. Vous avez ici, à partir pour 2019, à partir du mois de janvier, en 2020, là, novembre, décembre, puis on voit que la tache rouge se déplace dans le système 2 de Jupiter. Ici, le centre de la tache rouge. Fait que si on voit, si on essaye d'extrapoler jusqu'en bas ici, ben vous avez 330, 340. Donc, on a la longitude à ce moment-ci de 336. Pour ceux qui ont Tchélix, c'est ce que je vous recommande de faire de temps en temps. Comme vous voyez, ça se déplace assez vite. Si vous voulez avoir une image de Jupiter avec la tache rouge à la bonne place, allez sur ce site, Jupose, et revenir là dans Tchélix, puis mettre la bonne longitude. Bon, donc, correct. On verra, en fin de compte, la tache rouge à la bonne place. Il y a une autre façon aussi d'aller voir pour les phénomènes des satellites de Jupiter. Si on veut les avoir en détail, on peut aller dans le système solaire et dans Jupiter et ses satellites, et ici, les phénomènes des satellites de Jupiter. Donc, on va avoir une table. Disons que c'est, on peut mettre une date initiale. Ici, c'est parce que je suis déjà rendu au 15 août. Là. Mettons que je mets le 12 août pendant 7 jours, je me rends jusqu'au 19 août. Je peux mettre seulement les phénomènes visibles du poste courant, parce que ça donne rien de mettre ceux qu'on voit pas et qui se produisent, mettons, quand Jupiter est pas levé ou est pas visible. Bon. Et vous les avez. Si vous regardez là, la série de phénomènes, cette date-là commence à 22 heures. Ici, à 2h06, là, c'est pas bon parce que c'est la date, la veille. Donc, si on regarde ici à 22h31, vous avez Ganymède, le début du passage de son ombre. Si je clique, si je vais voir avec la vue agrandie, vous voyez le début de l'ombre de Ganymède. Mais vous aviez déjà un phénomène qui avait déjà commencé pas mal plus tôt, mais probablement qui n'est pas dans la liste parce qu'à ce moment-là, Jupiter n'était pas encore levé. Donc, vous avez ici le premier phénomène, puis vous pouvez comme ça, vous pouvez retourner ici en arrière avec la flèche rouge, puis aller voir le deuxième phénomène, Ganymède, la fin du passage. On voyait que Ganymède était presque sur le bord. Vous voyez ici la fin du passage. Si je faisais des animations, bien, je pourrais continuer, ou je pourrais les voir un par un avec la liste que je viens de vous montrer. On peut faire ensuite avec Tchélix, même sur les satellites de Jupiter ou même sur d'autres phénomènes, on peut faire des recherches historiques. Bon, on sait que le premier qui a pu observer les satellites de Jupiter, c'est Galilée, en 1610, au mois de janvier. Le 6 janvier, il avait remarqué qu'autour de Jupiter, il y avait des étoiles en lignée. Et ça l'intriguait, il disait que ça devait être tout simplement par hasard des étoiles dans le ciel qui sont en lignée. Excepté que le lendemain, il a fait la même observation, puis il a vu qu'il y avait encore des étoiles en lignée. Puis le jour suivant, ici, comme vous voyez, c'est les dessins de Galilée. Le 8, encore 3 étoiles. Bon, il disait, ben, non, ça se peut pas. Fait que c'est là qu'il a eu l'idée que c'était des lunes de Jupiter qui tournaient autour de Jupiter. Maintenant, c'est lesquels qu'il a observés. Avec Tchélix, c'est possible de faire une recherche et de trouver quels étaient ces satellites-là. Vérifier, mettons, le dessin de Galilée. On pourra même trouver à quelle heure qu'il a fait son observation. Donc, ce qu'on fait pour ça, la première chose à faire, il faut s'en aller dans le passé. Et s'en aller aussi où Galilée observait. Donc, Tchélix permet évidemment d'avoir des postes d'observation, de montrer les phénomènes pour tous les endroits sur la Terre. Là, c'était à Montréal. Ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir ici. On peut s'ajouter des sites, mais j'ai déjà fait ce site-là, les sites historiques en Italie. Je m'en vais à Padoue. C'est l'endroit où Galilée
était pour faire son observation. Et on est à Padoue évidemment, en 2020. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de s'en aller dans le passé. Donc, on peut cliquer ici sur la date. Il y a deux façons de le faire. Hein. Il y a plusieurs façons. Ici, dans le guide de l'observateur, vous pouvez modifier le temps ou vous pouvez cliquer ici sur la date. Et là, vous mettez l'année 1610, le mois de janvier, le 7, son premier dessin. Et en faisant des petites recherches, j'ai vu qu'il se couchait de bonne heure, Galilée. Il est observé vers 18h, 19h. Mais 18h. Je ne sais pas s'il observait avant ou après souper, là. Disons qu'il observait assez tôt. Et je le mets. Bon. Maintenant, on va aller observer les phénomènes, encore une fois, dans la vue agrandie. On voit évidemment, là, pour les voir, là c'est trop grand. Là, il faut. Parce que Galilée, avec sa petite lunette pas grosse, là, il n'y avait pas un grossissement comme ça de Jupiter. Là. Il y avait, mettons qu'on peut mettre. On peut essayer un champ de 1 degré pour voir ce que ça va donner. Non, c'est trop petit. On va essayer un champ de 20 minutes. Ah, c'est mieux. C'est bon. On va mettre la brillance des étoiles faibles pour pas que ça nuise, là, pour ça donner à peu près ce que Galilée voyait. Voici. Donc, vous avez, on va retourner au dessin. Vous voyez, Galilée voyait 2 étoiles à gauche puis 1 étoile à droite. Maintenant, on voit ici les 2 étoiles à gauche puis l'étoile à droite. Si c'est pas tout à fait comme son dessin, c'est peut-être parce que c'était pas exactement à la même heure. On peut, avec Chélix, un petit peu changer l'heure en faisant des animations. Je vais y aller par 15 minutes pour que ça aille plus vite. 15 minutes. OK. Si je remonte de 15 minutes, vous voyez ici, les 2 satellites, là, le numéro 1 puis le numéro 2, ils étaient collés. C'est pour ça probablement que Galilée n'a pas été capable de les distinguer. Et pour lui, étant donné que sa lunette n'était pas assez puissante pour séparer les 2 satellites, il a remarqué que c'était seulement 1. À ce moment-là, là, dans ses premiers soirs, il pensait qu'il y en avait seulement 3. On peut aussi aller dans une autre date, disons le 13. Je pense que c'est la première fois qu'on a vu 4, vraiment 4. 1 ici à gauche et puis 3 du côté droit. Si on s'en va dans Chélix, oups, excusez, oui, hein, et qu'on change tout simplement la date, ici, là, vous pouvez aller dans modifier le temps, on met la date du 13 à 19h07, ça, c'est parce qu'on a fait un peu d'animation, l'heure a changé. Là. Et voilà, vous voyez, les 3 satellites, et on peut les identifier. On peut dire à gauche, Galilée avait vu Europa, et puis le premier ici qui était collé sur Jupiter, bon, c'était Ganymède. On peut aussi voir dans Chélix d'autres vues des satellites. Par exemple, si on va dans le système solaire, à cette date-là, on peut avoir une vue des orbites des satellites de Jupiter. Mettons dans Céleste en haut. Et, je ne sais pas si vous remarquez ici le dessin, vous avez Jupiter, et ça, c'est vu de la Terre. Ça fait qu'il y a son satellite ici qui voyait à gauche, puis vous avez les 3. Puis ici, vous avez la même vue, mais vue du pôle de Jupiter. Et en réalité, ce qu'il voyait, vue de la Terre qui est en bas, vous voyez, il y avait ici le satellite Callisto qui était le plus loin à droite. Ensuite, c'était, j'imagine, si on s'enligne, là, oui. Celui qui était dans le milieu entre les deux, c'était Io. L'autre ici, Ganymède. Et puis, le satellite numéro 2,
Europe qui voyait à gauche. Vous voyez, donc, on voit que c'est un exemple de recherche historique qu'on peut faire à l'aide de Tchélix. Bon, maintenant qu'on a fini cette recherche, on va revenir à Montréal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit dans la liste des villes qui sont déjà dans la liste. Je peux dire, à ce moment-là, il y a des sites qui sont déjà dans la liste, mais dans Tchélix, vous pouvez ajouter tous les sites que vous voulez si vous êtes à un endroit qui n'est pas dans la liste. Bon, vous êtes à Montréal, excepté que le problème, c'est que... Bon, vous êtes revenu en... ce soir, en 2020. Il y a un moyen aussi de se promener dans le temps. Autrement dit, là, on est « back to the future ». On peut aussi observer des satellites qui sont plus difficiles à observer si vous avez les instruments nécessaires. C'est que dans les éléments du système solaire, vous avez Uranus et Neptune. Et puis, il y a une possibilité qui vous permet de voir les orbites et les positions des satellites d'Uranus, puis la même chose pour les satellites de Saturne. Donc, on a une vue avec le nord céleste vers le haut. C'est comme si c'était vu, évidemment, dans un télescope avec le nord céleste vers le haut. Et vous avez, par exemple, là, présentement, là, à 20h20, 42.4, là, bien, on peut mettre le temps exact en cliquant sur la petite horloge ici. Bon, on a 20h21, 51.3. Vous avez la position des satellites présentement. En faisant une petite animation, mettons, de 4 minutes par pas, vous pouvez les faire tourner en avançant dans le temps. Vous les voyez aller. Un petit peu, là, vous avez l'heure ici qui avance et puis... Bon, on peut les arrêter. On peut mettre le temps actuel. On peut aussi aller beaucoup plus loin dans le futur puis dans le passé. Disons que si je mets 10 jours par pas, je peux m'en aller, par exemple, dans le passé. Il n'y a pas si longtemps, en 2008, c'est parce que Uranus est très, très incliné hein, sur son orbite. En 2008, on voyait les satellites, les orbites de satellites par la tranche. Regardez bien ce que ça donne. Là, c'est du jour par jour. Je vais essayer d'arrêter là, pile sur le moment où l'année où on voyait les satellites par la tranche. Oups, là. Je pense que je vais aller un petit peu. Non, là. Oui, je retourne dans le présent. Là, on était vraiment dans le même plan que l'orbite des satellites. Là, c'était peut-être à ce moment-là plus difficile de photographier les satellites d'Uranus parce qu'ils pourraient tous se donner dans leur mouvement à être trop proches d'Uranus. Donc, on peut choisir un moment d'observation où les satellites étaient plus loin de la planète Uranus, peut-être pas en faisant 10 jours solaires par pas, mais mettons quelques minutes par pas, là, ici. Vous pouvez les voir se déplacer, mais dans le plan de leur orbite. Vous voyez, ici, là, ces trois-là, là, il aurait été très difficile à photographier parce que coller sur Uranus, là, c'est difficile, tandis que celui-ci, qui est plus loin, aurait été plus facile à observer ou photographier. C'est beau. Maintenant, on va passer à un autre projet d'observation. Observer les étoiles d'Aube. Bon, les étoiles d'Aube, évidemment, c'est, comme je disais au début, c'est un phénomène, c'est ça, c'est des objets assez faciles. C'est pas comme des nébuleuses, là, ou des galaxies qui sont très sombres, ça, en ville, c'est invisible. Les étoiles d'Aube, c'est quand même, avec un télescope, assez facile à observer, même en banlieue ou proche des villes. Et ça donne des spectacles assez beaux, surtout qu'il y a des étoiles d'aube qui ont des différences de couleurs. Bon. Pour observer les étoiles d'aube, ben, je peux juste montrer, par exemple, que j'ai fait, il y a quelques années, une série de photos d'étoiles d'aube avec une petite caméra, là, une X-Image 5 de Celestron, où on pourrait finalement faire la même chose maintenant avec les caméras Zuo, là, pour planétaire.
photographier des étoiles doubles comme ça. Vous avez même ici Epsilon de l'Allée, Epsilon 2, Epsilon 1, Albireo. On voit les différences de couleurs sur la photo. Dans Tchélix, si je vais dans Tchélix, qu'est-ce qu'on peut faire pour les étoiles doubles? Ben, vous avez dans la section étoiles et ciel profond, la liste des plus belles étoiles doubles. Bon, il y en a 2000, là. Maintenant, ça dépend de ce qui m'intéresse, là. Moi, je ne veux pas avoir le tableau avec 2000 étoiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des filtres. Disons que je veux des étoiles doubles en été, donc je peux mettre l'ascension droite minimum, disons, à 14 heures. Et puis, je peux mettre maximum à 2 heures. Donc, entre 14 heures d'ascension droite et 2 heures d'ascension droite, moi, je n'ai pas un horizon sud tellement dégagé, ça fait que je vais partir de moins 20, c'est-à-dire 20 degrés de déclinaison en dessous de l'équateur, jusqu'à, mettons, plus 75. Pas tout à fait proche du pôle. Maintenant, ici, je veux voir seulement les plus brillantes, c'est-à-dire la magnitude de la composante principale. Je vais choisir à partir de moins 1.5, ça c'est pour inclure là, Sirius, qui est une étoile double aussi, avec la composante la plus faible, disons pour l'étoile, la magnitude de l'étoile principale, disons que je veux dire 6. L'étoile principale, ça serait une étoile entre moins 1.5 et 6 de magnitude, tandis que la magnitude de l'étoile secondaire, disons que je choisis pas plus que 7. Tu sais, pour être capable d'observer ça bien dans un télescope moyen. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la différence de magnitude. C'est que je veux pas entre les deux étoiles, là, disons qu'il y a 10 magnitudes de différence parce que l'étoile la plus brillante, elle serait tellement brillante qu'elle éblouirait et empêcherait de voir le compagnon. Donc, je vais mettre une différence de magnitude maximum, disons, on a le choix, je vais mettre 4. Je veux que ce soit facile, là. Je suis pas sûr, là, je veux que ce soit facile. La différence de couleur, ça, c'est intéressant. Je vais laisser 0. Quand il y a une différence de couleur, d'indice de couleur 0, ça veut dire que c'est deux étoiles qui ont exactement la même couleur. Jusqu'à indice de couleur 7, là, ça c'est vraiment beaucoup. Là. Il y a une très grosse différence d'indice de couleur. Et maintenant, l'écart, évidemment, 0, là, ça se peut pas, les deux étoiles seraient collées. Disons que je pars à 1,5 secondes d'arc. Et puis le maximum, ben là, c'est des étoiles très éloignées, mais on pourrait aussi limiter le maximum sur des étoiles qui ont des trop grands écarts. Nous intéresse pas. Disons que je peux peut-être mettre, mettons, 300, mettons, plutôt, secondes d'arc pour l'écart maximum, là, quelques minutes. Et maintenant, dans quel ordre? Ben, je peux les mettre en ordre d'ascension droite. Mais moi, ce qui m'intéresse, mettons que je serais intéressé à regarder des étoiles qui ont des belles différences de couleurs. Donc, je peux les mettre en ordre de différence de couleurs. Et puis en ordre descendant, ça veut dire que je commence par celles qui ont les plus grosses différences de couleur, puis je finis par celles qui sont quasiment de la même couleur. Et voilà le tableau. Vous voyez ici, donc c'est en ordre de différence de couleur. Ici, 1.52, c'est la différence de magnitude B moins, en tout cas, magnitude V. Ici, si je vais voir, par exemple, vous avez Albireo en deuxième, c'est normal, l'étoile très connue. Si je vais la voir dans la vue, avec la vue agrandie, évidemment, j'aurai peut-être pas tout de suite je voudrais choisir sur un champ plus petit pour les séparer, un champ d'un degré. Donc, je fais un grossissement. Disons que je fais un champ de 12 minutes. Vous voyez, donc on voit ici Albireo, on voit Beta 2, c'est-à-dire son compagnon qui est bleu. Bon. On va maintenant passer à une autre possibilité qu'on a dans Tchélix, c'est-à-dire le planificateur d'observation. Et justement, la première genre de premier type d'observation qu'on veut faire. Le planificateur d'observation, c'est un outil
tout simplement pour essayer de planifier des observations dans une soirée. Donc, on crée des projets. Le premier projet que je vais utiliser, disons que ça va être observer les plus belles étoiles doubles qu'on peut voir dans une soirée. Et je vais mettre pour début là je vais expliquer qu'est-ce que c'est l'observabilité. En résumé, c'est la facilité d'observer un objet. Et je vais, bon, le temps optimal pour les observer, ça veut dire le moment en ordre du moment, meilleur moment pour les observer, là, en commençant par le plus tôt jusqu'au plus tard. Et ici, je fais tout simplement construire le moment d'observation. Ben, c'est ici le 18 juin, bon, c'est le soir de la conférence, ce soir. Je fais construire la liste. Bon, on voit la liste qui va se construire, évidemment, ça prend un certain temps. Bon, je vais arrêter un petit peu et ça va apparaître. Et voilà. Bon. Si vous voyez, ici dans la colonne temps optimal et observabilité, il y a des petits carrés de couleurs qui indiquent la facilité d'observer l'objet. Quand c'est trois, là, ça veut dire que c'est quasiment pas observable ou quasiment invisible. Par exemple, si vous essayez d'observer qui a un de l'hydre, une étoile dans l'hydre femelle, vous voyez sa position là, est, au début de la soirée, est en train d'aller se coucher, là, est quasiment à l'horizon ici. Et vous avez un graphique qui indique justement l'altitude de l'objet au-dessus de l'horizon. C'est un objet qui ne monte jamais bien haut, parce qu'il est visible surtout dans l'hémisphère sud. Mais vous voyez, au coucher du soleil, là, est déjà assez, assez basse, puis même elle se couche. Elle va se coucher même avant la fin du crépuscule là, astronomique. Ici, vous avez des lignes là, qui indiquent justement la fin des différents crépuscules, là, le coucher du soleil. Le crépuscule, nautique, civil, nautique, et puis la fin du crépuscule astronomique. Puis vous avez aussi la Lune qui peut influencer aussi les différents, la visibilité. On va revenir justement pour ces choses-là sur la visibilité. Par exemple, une étoile dont la visibilité est à 60, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus facile à observer. Donc, elle est assez haute au-dessus de l'horizon. Si je regarde son image, c'est sûr que c'est pas une grosse image. Un instant, ce que je vais faire, par exemple, j'ai un petit problème. J'ai oublié dans la vue agrandie d'aller remettre ma luminosité normale. Bon, et je vais retourner dans mon planificateur. Bon, OK, on les voit mieux, là. C'est pour ça, tantôt, on voit quasiment rien. Je vais quand même refaire la liste pour des étoiles quand même plus faciles à observer. Donc, je m'en vais dans modifier la liste. Et au lieu de commencer à zéro, je vais tout simplement voir, je vais voir seulement celles qui sont vraiment intéressantes. Là, je commence à 60. Ici, dans l'aide, vous allez voir la définition justement de ce que c'est l'observabilité. Vous avez ici des couleurs qui représentent les différents degrés d'observabilité. Quand c'est zéro, ça veut dire que c'est invisible. Entre 1 et 7, c'est quasi invisible. C'est trop proche de l'horizon ou au crépuscule. Entre 8 et 19, c'est très difficile. C'est un objet faible dans des mauvaises conditions. Entre 20 et 39, c'est assez difficile. Jaune, c'est facile. 60 à 79, c'est très facile. Puis 80, en haut de 80, c'est vraiment spectaculaire. Fait que je veux juste conserver celles qui sont en haut de 60. Les couleurs vertes et les couleurs bleues. Et Chelis calcule ce degré d'observabilité en se fiant sur différents, mettons, l'altitude de l'objet au-dessus de l'horizon, évidemment la lueur des crépuscules, la présence de la Lune, la phase de la Lune, le classement intrinsèque d'objets. Est-ce que c'est de lui-même un objet facile, difficile, d'une magnitude assez brillante. Et dans le cas des étoiles doubles, on tient compte aussi de l'écart entre les deux étoiles, la différence de magnitude qui peut influencer sur la difficulté ou la facilité à observer. Bon,
Donc, je vais le faire à partir de 60. Je refais ma liste. Et voilà. Comme vous voyez, vous avez juste des carrés verts et des carrés. Donc, celle que je peux commencer par observer le plus de bonheur, c'est 24 de la chevelure de Bérénice, une étoile, une jaune, une orange. Une jaune-orange avec une bleue qui paraît bleue. Vous avez ici le dessin des deux étoiles. Puis vous avez aussi la position dans le ciel. Donc, pas trop pire à l'heure où on veut l'observer. Là. On suggère de l'observer, disons, à 22h50. C'est que c'est l'heure à peu près ici, là, à la fin du, pas loin de la fin du crépuscule. La ligne verte ici indique le meilleur moment pour l'observer. Vous voyez ici, on passe ici dans la ligne, là, il y a un petit peu de vert, donc c'est entre 60 et 80. Quand c'est jaune, ben, c'est entre 40 et 60, etc. Vous voyez ici que plus ça descend, ça devient jaune, ça devient orange, rouge, parce que ça devient de plus en plus difficile à observer. Vous avez la ligne verte qui indique la Lune, l'altitude de la Lune, puis la ligne blanche qui indique l'altitude du Soleil. Bon, c'est sûr qu'on peut trouver des étoiles encore plus faciles avec 86, 99 Mizar, bien évidemment. Si je vous vois son image, vous avez Alcor, Mizar, puis même Mizar qui est elle-même une étoile d'eau. Vous avez la position dans le ciel qui n'est pas bien, bien loin du zénith. Voilà. On peut aussi, en tant qu'à être dans le planificateur d'observation, faire d'autres genres de projets. Par exemple, essayer de faire un marathon Messier. Bon. Le marathon Messier, c'est d'essayer d'observer des étoiles, des objets Messier, seulement la liste des 110 objets Messier. Mais, ici, on a le choix, évidemment, si on choisit d'observer la liste des objets Messier, un soir, on n'est pas obligé de demander un marathon. On peut les faire afficher en temps optimal pour les observer ou en ordre d'ascension droite, n'importe quoi. Mais si je les veux en ordre de marathon Messier, supposons que je veux faire un marathon, c'est-à-dire essayer d'en observer le plus possible dans le même soir. C'est que aussi, il y a des dates dans l'année où c'est plus facile. Disons, on suggère justement vers la fin du mois de mars. La première chose pour trouver la meilleure date, évidemment, c'est de choisir la fin du mois de mars où on peut en voir le plus dans le même soir. C'est à cause de la façon dont les objets Messier sont regroupés dans le ciel. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller voir. Je vais aligner ça. Je vais aller voir ici l'almanach graphique. Dans Chilix, on peut faire un almanach graphique, c'est-à-dire un graphique des levées, couchées, des différents phénomènes. Par exemple, ici, vous avez le coucher de Vénus. Cette année, évidemment, là, Vénus, on voit qu'il est rendu à partir du 2 juin, il était passé dans le ciel du matin. Si je vais aller voir à la fin de mars, puis autant que possible, il faudrait que ce soit, vous voyez ici, entre le 10 puis disons le 27, 28 mars, il n'y a pas trop de lune. Là. Si vous allez voir ici, le premier quartier de la lune, c'est le 1er avril. Donc, à la fin de mars, on peut quand même avoir des nuits sans lune pour observer facilement les objets Messier. Je retourne dans mon planificateur d'observation. Je m'en vais faire un nouveau projet, les 110 objets Messier, le marathon Messier, et je clique sur « Construire la liste ». Bon, c'est les objets Messier, mais en ordre de marathon Messier. Et le premier qu'on peut observer en commençant la soirée, c'est Messier 81. Sa position, évidemment, est assez facile à observer. Pour les marathons Messier, Chélix, ce qu'il choisit, c'est un ordre dans lequel le déplacement entre chaque objet, d'un objet à l'objet suivant, est le moins gros possible, que ce soit assez facile à passer d'un objet à l'autre. Par exemple, c'est sûr qu'après M81, on voit à M82 qui est quasiment collé. Ensuite, M44. Là, on est allé un petit peu plus loin. On est obligé parce que là, il faut se dépêcher à l'observer parce que là, il va aller se coucher. M67, M108
M97, vous voyez, on ne se déplace pas trop. On est toujours dans le même coin du ciel, M40, etc. Ça continue comme ça, là, jusque dans le milieu de la nuit, là, où on a des objets plus faciles à observer, comme M13. Vous avez aussi, en même temps, vous avez le choix de voir l'image et la position de l'objet. OK, puis il y a évidemment M13 qui est le suivant. Évidemment, c'est M92 qui est l'autre amoglobulaire spectaculaire, juste à côté. Et vous allez comme ça jusqu'au matin. Et il y en a 94 là, dans cette nuit-là que vous pouvez observer. Ça veut dire de Montréal, c'est pas bien possible d'observer tous les objets Messier. Ceux qui réussissent à observer tous les objets Messier dans une seule nuit, il faut être à peu près à une latitude 25-30 degrés. Là, ça veut dire en Floride en Afrique du Nord, ça dépend où on est dans le monde. Oui, le dernier objet là, sur la liste, mais il est très difficile, 13, là, ça veut dire que c'est juste si on va le voir. Mais ce qu'il y en a qui font, c'est qu'au lieu de faire une seule soirée de marathon Messier, ils en font deux par année, à 6 mois d'intervalle. Là, c'est possible de voir tous les objets Messier. Vous en choisissez une liste pour, mettons, la fin de mars, par exemple, et une autre liste pour la fin de 6 mois plus tard, disons, la fin de septembre. On va passer au projet suivant, c'est-à-dire photographier une éclipse de lune. Bon. Évidemment, il se produit des éclipses de lune, pas tous les soirs, pas à chaque. Ça se produit à la pleine lune, mais pas à chaque pleine lune. Il faut qu'au moment de la pleine lune, la lune, la Terre et le Soleil soient exactement sur la même ligne. Et ça se produit des éclipses totales de lune visibles d'un même endroit sur la Terre, là, ça se produit en moyenne aux 2-3 ans. La dernière qu'on a belle, qu'on a pu observer, c'était le 28 septembre 2015. Et il y en a plusieurs astronomes amateurs à ce moment-là qui ont pris des photographies de cette éclipse. Elle était visible, facilement visible du Québec, là, elle était bien située le soir. Des endroits où il y avait quelques nuages, mais une éclipse de lune, aussitôt que le nuage se dégage, là, on peut les prendre. Donc, c'est une série de photos que j'ai pu prendre à ce moment-là. Comment on peut faire, disons, avec Félix, pour planifier des observations d'éclipses de lune, surtout les éclipses totales qui sont les plus intéressantes? Dans Félix, qu'on a... Dans la section La Lune, on a ici les éclipses et les occultations. Bon, on a les tables et vues des éclipses solaires, puis les tables et vues des éclipses lunaires. Disons que c'est ça qui nous intéresse pour le moment. On choisit les éclipses de Lune, on pourrait choisir les éclipses de Soleil, disons qu'on choisit les éclipses de Lune. On choisit, disons, je vais partir de 2015. Et mettons 10 ans. Donc, je vais voir toutes les éclipses. On peut choisir seulement les totales et partielles, mais toutes les éclipses, ça veut dire aussi les éclipses par la pénombre. Et je vais obtenir la liste. Vue de Montréal, parce que mon poste présentement, c'est Montréal. J'ai la table. Si je commence en 2015, ben, j'allais ici, l'éclipse du 27 septembre 2015, le milieu de l'éclipse, là, à 22h47, et était total. Quand il y a trois petites étoiles ici, ça veut dire qu'elle est visible au complet. Quand il y en a juste une, ça veut dire qu'il y a moins de la moitié de l'éclipse qui est visible. Quand il y en a deux, ça veut dire que, comme ici, il y a plus que la moitié de l'éclipse visible du même endroit, d'un endroit choisi. Donc, je vais aller voir celle justement que j'avais photographiée en 2015. Ce qui est très intéressant de voir, c'est il y a différentes façons, évidemment. Il y a la voir dans la vue du ciel, où elle est dans le ciel. Il y a la voir dans une vue, mettons, avec à travers un oculaire, comme la vue agrandie. Puis, il y a aussi moyen de la voir sur un diagramme d'éclipse de lune. Et on l'a ici.
Ça, c'était pour l'éclipse du 27 septembre. Donc, on a les différentes phases. Ici, le numéro 1, c'est l'entrée, ici, le bord qui rentre dans la pénombre. Ici, vous avez les différentes parties, là, la pénombre et puis l'ombre. Donc, le début, là, ça se produisait, contact numéro 1, à 20h11. Contact numéro 2, ici, le début de la phase partielle, le bord de la Lune qui commence à rentrer dans l'ombre. Le début de la totalité, c'est 3. Fait qu'il a été total de 22h11 jusqu'au contact 4, jusqu'à 23h23, puis le milieu, bien, c'est à 22h47. On a aussi d'autres renseignements comme les demi-durées, mais aussi les magnitudes. Par exemple, la magnitude dans l'ombre, 1,27, ça veut dire que quand c'est plus grand qu'un, ça veut dire que toute la Lune était dans l'ombre, était cachée, puis il y avait un autre 27% ici du diamètre qui restait entre le bord de la Lune puis le bord de l'ombre. Donc, c'est une éclipse totale. Plus la magnitude est grande, plus la Lune est située vers le centre de l'ombre. On peut aussi aller voir d'autres éclipses. Mettons, on va regarder celles qui s'en viennent. Si on regarde ici dans la liste, mettons, ce qui m'intéresse, là, c'est surtout les totales ou les partielles. Il y a une totale en 2019, c'est passé, mais c'était... Oui, il y en a eu une en 2019, mais dans le futur, là. Il y en a une par la pénombre très bientôt, hein, le 5 juillet, qui est visible. Il y en a une autre le 30 novembre. Il y a une éclipse partielle en 2021, mais presque totale, parce que sa magnitude est 0,97. Si on va voir cette éclipse-là, le 19 novembre 2021, l'année prochaine, avec son diagramme, vous la voyez ici, il y a juste un petit morceau, 3% du diamètre de la Lune, là, qui n'est pas dans l'ombre. Et il y en a eu une intéressante, là, vraiment totale et visible pas mal dans le milieu de la nuit, bien justement en 2022, le 16 mai à minuit 11. Donc, ça veut dire que ça, c'est certain, même si c'est le mois de mai, les nuits sont courtes, l'éclipse est visible au complet. Magnitude 1,4, c'est porté. Donc, si je vais la voir, et voilà. Ça, c'est la prochaine vraie totale visible d'ici. Bon, ça y est pour les éclipses. On va passer maintenant aux comètes. Bon, évidemment, l'observation des comètes, c'est un peu plus difficile que l'observation des éclipses de Lune. Ça prend quand même des ciels plus sombres. Il faut aussi qu'il y ait des comètes visibles à ce moment-là. Donc, dans Chenix, il y a moyen d'avoir des outils pour nous aider à aller observer les comètes. Quand est-ce qu'il y a des comètes? Lesquelles on a présentement? On tourne dans le logiciel. La première chose qu'on doit faire, c'est d'aller sur le site. Ben, OK, on va y aller. Une minute, là. Je vais revenir. Faire la mise à jour, oui. Pour faire les mises à jour de... Un instant, je vais revenir dans Chelif pour faire la mise à jour. On voit ici dans le système solaire pour les différents objets du système solaire, puis les comètes et les astéroïdes ici. Bon, on dit ici comment mettre à jour les comètes et les astéroïdes. On peut aller ici faire les mises à jour sur Internet. Ce que je vous recommande de faire assez régulièrement, mettons vous avez une version qui date de plusieurs mois, là. Enfin, mettons, à tous les quelques mois. Là, je m'en vais ici sur le site de Chelix et la page de mise à jour. On vous demande ici de faire la mise à jour sur le site du Minor Planet Center, comète courante. Cliquez là. Et là, vous avez la liste des différentes comètes. Mettons, un fichier soft01cmt.txt. Et il s'agit tout simplement d'aller enregistrer ce fichier-là dans le dossier principal de Chelix, ce qui est assez, ce qui n'est pas trop difficile à faire. Donc,
Voyons, il n'y a pas le... Ah, vous faites enregistrer sous. J'ai cliqué avec le bouton de droite de la souris. Enregistrer sous. Oui, c'est ça. Je suis déjà dans le dossier. Vous avez le nom. Si je clique sur enregistrer, ah, ça dit qu'il existe déjà, évidemment. Voulez-vous le remplacer? Oui, par un plus nouveau. Et voilà, c'est fait. Donc, je retourne dans Chelix. Je ferme ça. Là, ça veut dire que j'ai les éléments orbitaux les plus à date que je suis allé chercher sur le site du MPC. Pour faire apparaître les comètes dans la vue du ciel, moi, c'est une façon qui que j'utilise pour voir les comètes. Je m'en vais ici dans la vue du ciel pour un soir. Là, je suis à la date du 16 mai avec la lune toute rouge. C'est parce qu'elle était au milieu de la totalité. Là. On va cliquer ici pour s'en venir ce soir, revenir au temps présent. Et je vais changer ici les paramètres de visibilité dans la vue du ciel. Bon, je mets commencer par défaut. Bon, par défaut, il y a juste planète, lune, soleil, étoile. Et j'ajoute ici les comètes. J'ajoute pas là, les anneaux ouverts, les galaxies et tout ça. Et avec, évidemment, ici, les libellés, ça veut dire les noms des comètes. Et puis, je vais laisser comme ça jusqu'à la magnitude 12, là, pour pas en avoir trop. Je fais appliquer. Et voilà, j'ai des comètes. C'est intéressant. Là, ce soir, il fait beau, là. Si vous avez des comètes à observer, il y en a quelques-unes. Il fait pas encore noir, là, c'est sûr. C'est pas encore l'heure pour les observer. Il y a la comète ici, C2020 H8 Swan, qu'on a vu. Bien, évidemment, plus tard, elle va s'en aller se coucher. Là. Ça veut dire que c'est peut-être pas la meilleure pour observer, mais il y en a une qui est quasiment au zénith. C2017 T2 Pan-STARRS. Et puis, il y en a une autre ici, 289P Blancpain. Bon, on va ici sur la comète C2017 T2 Pan-STARRS. Vous voyez, elle est pas loin là, dans Grand Ours, là. Je peux cliquer dessus et j'ai quelques renseignements sur la comète et présentement de magnitude 8,54. Vous avez sa distance au Soleil, sa distance à la Terre, son altitude, etc. Bon, qu'elle est passée au méridien à 19h05. Bon, la première chose que je vais faire peut-être pour, si vous voulez, suivre une comète plusieurs soirs, ce serait d'essayer de faire sa trajectoire sur une carte. Les cartes célestes avec Chelix permettent de faire ça. Donc, j'ai écrit trajectoire sur une carte. Je laisse le zoom à 1x pour avoir un grand champ. Je mets la date médiane. Ça veut dire que il y a une trajectoire, la date du milieu de la trajectoire. Je peux mettre les coordonnées géocentriques. Si quelqu'un veut faire un document qui est bon pour partout sur la Terre, il mieux faire ça. Si c'est pour un document qui est bon pour un endroit particulier, par exemple, ici, là, Montréal, ben, je choisis coordonnées topocentriques, ça veut dire ça, c'est la comète vue de Montréal et non du centre de la Terre. Maintenant, pour la trajectoire, j'ai quelques choix. Bon, il y a le nombre de segments total, il va y avoir 80 segments dans la trajectoire. Je vais mettre une journée entre chaque segment. Les segments sont indiqués, libellés à tous les 5 jours, ça veut dire. Et je pourrais aussi faire la trajectoire pendant le mois courant. C'est une possibilité. Mais là, je vais la faire centrer sur le 18 juin. Je fais OK. Voilà. Et voilà la carte. Bon. Et évidemment, vous avez en rouge ici la trajectoire de la comète. Ce soir, les cartes dans Chelix, on peut déplacer les libellés comme ça pour pas cacher ce qu'on désire, là, comme ici, là, il y a le mot FECDA, le nom de l'étoile, qu'on peut déplacer un petit peu pour voir. Puis ici, même 109, on pourrait le mettre. On peut remarquer des choses intéressantes, c'est que ce soir, la comète est rendue ici, mais pas très loin de M109. Mais si avant-hier était collé quasiment sur l'étoile FECDA de la Grande Ourse, puis même hier était pas loin d'M109. Donc, quelqu'un qui aurait pu avoir un télescope avec un appareil photo à grand champ, il aurait pu avoir quelque chose de beau. Puis encore plus grand champ, peut-être deux galaxies avec la comète dans le même champ.
Bon, s'il est trop tard pour ce soir, on peut peut-être aller voir dans le futur. On peut suivre la trajectoire de la comète et voir. Ici, on s'aperçoit qu'il y a M106, qui est une autre galaxie assez belle. Et à la date, là, le 23, à minuit, le 24 juin, c'est Jean-Baptiste, vous pourrez faire une observation de la comète à côté de M106. C'est dans la nuit du 23 au 24 juin. C'est à minuit le 24, à l'heure indiquée, l'heure avancée de l'Est. Donc, vous, comme vous voyez, vous pouvez, avec JLIF, comme ça, faire des cartes. Et vous pouvez, évidemment, comme vous voyez ici, imprimer la carte ou l'apporter où vous voulez, ou l'enregistrer sous forme d'image. Bon, l'envoyer sur Internet pour vous en servir plus tard. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire pour les comètes. J'ai commencé avec la dernière version à ajouter la possibilité de vue en trois dimensions. Ça veut dire que vous avez déjà vu ça, des lunettes rouges et bleues. Donc, un œil voit à travers un filtre rouge, puis l'autre œil voit à travers un filtre bleu. Si vous avez une image, mettons, de la lettre A, et si, avec l'œil qui la voit à travers le filtre rouge, votre image, vous la décalez un petit peu vers la droite, puis à travers le filtre bleu, vous la décalez un petit peu vers la gauche. Et quand vous regardez ça avec vos deux yeux, les deux images, votre cerveau va l'interpréter comme si il va les combiner ensemble, mais comme si elle était à cause, avec leur séparation, là, leur décalage, à une distance, en trois dimensions, là, il y a un effet de profondeur à une distance donnée. Bon, dans Chélix, j'ai ajouté dernièrement cette possibilité avec pour les comètes et les astéroïdes. Bon, ça va venir pour d'autres objets comme les satellites des planètes, etc. Pour le moment, la version actuelle, c'est juste les comètes et les astéroïdes. Bon. Donc, je vais obtenir une vue 3D. Bien, évidemment, je fais apparaître en premier la liste du MPC que je viens de télécharger. Avec toutes les. Je pourrais mettre des filtres. Hein. Je pourrais empêcher un certain nombre de comètes de s'afficher, puis les afficher dans un certain ordre. Mais je les affiche là en numéro de catalogue. Donc, ils sont tous là. Celle qui m'intéresse, c'était la comète C-2017-T2 Pan-STARR. On va aller la chercher. Donc, il faut s'en aller jusqu'en 2017. Et ici, vous avez ici tous les éléments orbitaux, mais avec ces éléments orbitaux, Chélix est capable de faire les trajectoires sur des cartes, de faire les orbites. Là, ce que je veux, c'est l'orbite en trois dimensions de la comète. Je clique, et voilà. Bon, là, ce que vous voyez, c'est bizarre, là. Vous avez ici l'orbite de la Terre. Ici, vous avez le plan de l'écliptique. Vous avez une partie du plan qui est en rouge, une partie qui est en bleu. Vous avez ici la comète. Vous avez une bleue puis une rouge, mais c'est la même comète. Mais si vous mettez des lunettes rouges et bleues, votre œil là vous la montrerait comme un seul point, mais à une certaine profondeur, un certain effet 3D. Et une fois que vous avez ça, ce qui est intéressant, là, évidemment, c'est pour aujourd'hui, le 18, vous pouvez faire ici une animation. Je peux y aller justement par un jour. Je peux m'en aller, mettons, dans le passé ou dans le futur. Mettons, je peux revenir au début du mois. Donc, je recule. Vous voyez, la comète, elle s'en va là, au-dessus, plus vers le nord. Ben, c'est exact, c'est ce qui est arrivé. La comète était dans le bout de la Grande Ourse. Mais plus ça va aller, plus la comète va descendre, mais on va maintenant dans le futur. Je vais aller un petit peu plus vite. Au lieu de mettre un jour, je vais mettre trois jours, mettons. Ici. Vous voyez, je m'envoie dans le futur. Là, la comète, évidemment, elle va rester visible. Sa magnitude va devenir moins brillante parce qu'on voit qu'elle s'éloigne de la Terre. Et elle va passer, à un moment donné, dans le Sagittaire. Ça veut dire qu'elle va descendre en dessous de... Ici, elle est encore un peu au-dessus de l'écliptique.
mais à un moment donné, elle va descendre là, en dessous de l'écliptique. Ça veut dire qu'elle va devenir plus visible dans l'hémisphère sud. Mais puis en plus de ça, en même temps, la Terre ici, vous voyez, qui s'éloigne, n'est pas du même côté de son orbite que la comète. Donc, c'est pour ça que la comète n'est plus magnitude 8, elle est rendue magnitude 12. On va passer maintenant à une autre préparation. Préparer une photo du ciel profond. Bon, mettons que, en réalité, c'est une photo que j'ai faite au mois de mai, puis je vais vous expliquer comment j'ai utilisé Chelix pour préparer, en réalité, pour cadrer la photo. Ce que je voulais photographier avec l'instrument que j'ai, c'est un Maksutov Newton de 6 pouces, c'est-à-dire 152 mm f4.8, 731 mm de focale, puis une caméra SBIG ST8300 avec son champ vision. Je voulais rentrer non seulement ici la galaxie M101, mais en plus de ça, ici une autre galaxie, NGC 5474, et puis une autre galaxie ici, NGC 5473, les deux plus grands. Bon, il y en a une autre ici, il y en a une plus petite là. Bon, faut pas oublier que cette photo-là, ça a été prise en ville, hein? Disons, l'échelle Barton, là, blanche, là, c'est-à-dire neuf. Donc, ça prend des filtres, mais c'est possible de faire des photos quand même avec des bonnes techniques, même dans des endroits où le ciel n'est pas l'idéal. Voici dans Chelix, comment j'ai. La première chose que je vais vous expliquer, c'est comment j'ai préparé, comment cadrer la photo. Je retourne dans Chelix. Là, je m'en vais dans les champs visuels. C'est pas la même chose. La vue agrandie, c'est des vues. Je retourne dans la vue agrandie, c'est des vues où on peut changer ici manuellement le champ de vision à volonté. Dans champ visuel, c'est une autre possibilité. Bon, c'est des champs visuels de différents appareils. Par exemple, le champ visuel que vous voyez présentement, c'est le champ visuel de, bon, Maksutov Newton, là, de 731 mm de focale, avec un oculaire Nagler 20 mm, c'est-à-dire qui a un champ apparent de 82 degrés. Et on peut ici aller voir justement les possibilités de ce champ visuel-là. Bon, il faut mettre, quand vous pouvez vous en fabriquer des nouveaux. Là. Ici, vous avez un plus en haut. Là. Vous pouvez ajouter des nouveaux champs visuels. Des champs visuels d'oculaires, de télescopes avec CCD, d'appareils photo numériques, de jumelles, de viseurs, de pointeurs polaires. Bon. Ici, vous avez le champ visuel d'un oculaire. Vous voyez, il faut mettre, évidemment, pour que ça apparaisse sur l'écran, la reproduction de champ visuel. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de la distance focale. Le diamètre puis le rapport focal, ça, c'est des renseignements. Vous avez besoin, évidemment, de la distance focale de l'oculaire, d'un oculaire de 20 mm. Vous avez besoin du champ apparent de l'oculaire, 82 degrés. Et le logiciel va calculer le champ de vision réel de l'instrument, 2 degrés 20.24. C'est avec ça qu'il va vous donner, justement, le champ sur l'écran. Et puis, il va vous indiquer aussi le grossissement avec votre oculaire, grossit 36 fois et demi. Mais moi, c'est pas le champ que je veux, évidemment, pour cette expérience-là. C'est un champ que j'utilise avec une caméra CCD, qui est un ST8300 avec un télescope qui porte le nom commercial de Comet Hunter de David Levy. J'installe ce champ visuel. Bon, évidemment, là, il montre n'importe quoi. Peut-être la dernière chose que j'ai montré tantôt. Là. Je vais. Donc, je suis au 23 octobre, un instant. Je vais mettre le 18 juin. Correct. Je vais choisir ici avec le moteur de recherche. Vous pouvez trouver des objets du système solaire, des comètes, des astéroïdes, des étoiles, puis des objets du ciel profond. Je vais choisir M101. Ah, OK, c'est parce que je l'ai mal écrit, là.
il faut mettre un petit espace ici. Et voilà. Bon, là, je l'ai. Je vais montrer devant. Donc. Bon, vous avez le renseignement sur M101. Puis là, ben, tout ce que j'ai à choisir, c'est de le voir avec le champ visuel. Et voilà, le champ visuel que je viens d'installer. Ça, c'est le champ que ça me donne. Bon, puis on donne ici en haut la magnitude limite et puis le centre du champ, puis les dimensions du champ. D'ailleurs, je peux aller voir ici dans Modifier pour voir les possibilités, le nombre de pixels. Évidemment, vous pouvez vous en fabriquer aussi. Vous pouvez mettre le nombre de pixels, mais il y a déjà des caméras CCD prédéfinies, une liste, là, une bonne grosse liste. Et puis, vous pouvez aller comme j'ai fait moi pour moi, SBIG, ST 8300. Là. Ici, celle-là. Je ne toucherai pas. Et ça vous donne à ce moment-là la galaxie. Mais il y a un petit problème. C'est que les deux autres galaxies que je veux photographier, NGC 5474 et 5473, ne sont pas dans le champ. Donc, mais on voit que le champ n'est pas carré, il est rectangulaire un peu. Donc, on peut tourner le champ. Ça veut dire, sur le télescope, là, tourner la caméra de 90 degrés. Voilà. Puis là, ben, on peut aussi la centrer un peu avec les flèches. Un petit shot encore. Et voilà. Et évidemment, cette étoile-là, je voulais qu'elle soit dedans, donc je peux tasser par ici. Non, je me suis trompé de côté. Voilà. Bon, ça, c'est exactement la photo que j'ai, mais elle est vue inclinée de 90 degrés par rapport à la photo que je veux obtenir. C'est exactement le même champ. Vous avez votre galaxie M101 au centre avec NGC 5474 à gauche puis 113 à droite. Et si on tourne dans le Chelix, ben, ils sont exactement là. Maintenant, quand on prend une photo, il faut faire de l'autoguidage pendant la durée de la photo. J'ai utilisé l'étoile qui est ici, qui est une étoile de magnitude 8. Donc, c'est correct pour guider avec une petite caméra d'autoguidage, là, puis une lunette 80 mm, une Star Shoot Autoguider. On va aller voir comment placer mon viseur pour faire de l'autoguidage. Donc, je vais aller ici simplement dans Modifier. CCD secondaire, ici, bien évidemment, ça veut dire un capteur secondaire pour faire l'autoguidage. Là, ici, ça disait au début qu'il n'y en a pas. Mais moi, de la manière que je suis installé, c'est avec un capteur en mode XY. Donc, je dois choisir ça. Il faut évidemment que je choisisse ma caméra guide, qui est une Star Shoot Orion. Ici. Et si je clique, je devrais avoir le champ. Bon, vous voyez. Le champ, ici, le petit carré, c'est le champ de la Starshot, mais mon étoile guide n'est pas là. Et évidemment, je vais vous montrer comment je suis installé. Vous voyez, vous avez ici ma Starshot. J'ai une platine XY. Et avec la platine, on peut déplacer. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé de bouger du tout le télescope guide par rapport au télescope principal. Ça veut dire que le télescope guide peut être attaché très solidement après le télescope principal, puis il ne bouge plus jamais. Donc, si je retourne ici, vous voyez, l'étoile est un petit peu au nord. Donc, je vais essayer d'aller placer, changer les paramètres. Ici, la déplacer dans l'axe des Y, là, d'essayer 3 mm pour voir ce que ça va donner. Ah, dans le mauvais sens. Bien, on va revenir. On va mettre moins 3 d'abord. Diguez-le. Donc, quand je vais prendre ma photo, je vais avoir mon étoile guide
dans le champ de vision du capteur de la caméra d'autoguidage, puis dans PHD Guiding, mais ça va bien fonctionner. Là. On va pouvoir l'avoir toujours à la même place. Vous voyez que c'est comme ça que j'ai pu centrer, cadrer et placer, faire le calcul pour placer mon étoile guide avec Chélix. On passe maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire, évidemment, quand on prend une photo astronomique, il faut piloter un télescope. Pour piloter un télescope, ça prend plusieurs choses. Ça prend évidemment une caméra d'autoguidage, ça prend des moteurs, ça prend le logiciel Chélix. Ça peut se faire avec des logiciels de contrôle de télescope comme ASCOM ou d'autres modèles. Donc, on va y aller. D'abord, je vais l'expliquer avec deux types de contrôle qu'on peut faire dans Chélix. Il s'agit d'aller ici dans le télescope. Et pour faire le pilotage de télescope, évidemment, comme je n'ai pas à côté de moi, j'ai un télescope, là, mais il n'est pas ASCOM, là, il est contrôlé par Arduino. Donc, pour un télescope, j'ai choisi le simulateur, là, comme j'en ai pas. Donc, on peut faire choisir. On dit OK. On dit OK. Donc, on a notre simulateur de choisir. Dans Chélix, on peut aussi changer des modifications parce qu'avec ASCOM, ASCOM utilise plusieurs manières de faire les mêmes contrôles. Par exemple, faire un parc, il peut le faire avec la méthode PARC d'ASCOM ou avec d'autres méthodes. Ici, ben, je vais vous le montrer. Si je fais modifier, bon, évidemment, ici, j'ai plusieurs modèles déjà choisis dans Chélix pour que ce soit, mettons, que les contrôles d'ASCOM soient le plus compatibles et vous pouvez même les changer. Moi, ce que j'ai, c'est utilisateur 1. C'est parce que, autrement dit, il y a des modèles prédéfinis, mais j'ai mis utilisateur 1 et utilisateur 2 pour que les gens puissent s'en fabriquer avec des propriétés différentes. Si je vois, par exemple, pour le parking, vous voyez, pour utilisateur 1, j'ai écrit parking. Normalement, là, la plupart des contrôles avec ASCOM se font avec la méthode park. Excepté qu'avec la méthode park, quand vous faites un parking, ASCOM ne met pas à jour les coordonnées pour le logiciel, ça veut dire qu'on ne voit pas la mire se déplacer sur l'écran. Si on fait un parking, c'est ça que j'ai décidé de faire, un parking simulé avec slew to coordinate, ça veut dire c'est un parking simulé, autrement dit, comme avec un go-to. Fait qu'à ce moment-là, on va voir, pendant qu'il va aller faire son parking, on va voir la mire se déplacer sur l'écran. Donc, je choisis ça, je fais OK. Je fais poursuivre. Il apparaît le panneau de pilotage pour ASCOM. Évidemment, ici, je peux avoir plus de renseignements. Si je veux, je peux réduire. Ça dépend si j'ai besoin de place ou pas trop. Et je peux faire connecter. Le télescope est connecté, mais là, j'ai un petit problème. Je ne vois pas. Ah, je vais diminuer. Je ne mettrai pas de Chélix sur l'écran. Essayez de voir le... Ah, ici. Voir le panneau de... Voici. C'est pour voir le panneau de... du simulateur, c'est comme... Bon, OK. Voici. Donc, ce que je vais faire pour commencer... le télescope, je viens de le connecter. Il est connecté, il est à stop. Ça veut dire que les moteurs sont arrêtés. Évidemment, la première chose que je fais, moi, quand j'observe, je pointe le télescope manuellement ou avec la manette sur une étoile brillante et je fais une synchronisation. Ça veut dire au logiciel de contrôle que le télescope est vraiment centré sur une étoile particulière. Bon, je vais faire d'abord un sync. Je vais, par exemple,
mon but, ça serait d'observer. Ah oui, je vais plutôt aller ici, là. Je vais observer, mettons, un amour globulaire. Je vais montrer les amours globulaires, je vais les identifier, appliquer. Voilà, M5. Ça m'intéresse d'observer M5. Ce que je vais faire. Comme M5, là, je le vois pas à l'œil, là, dans le ciel, c'est trop faible. Je me vise sur une étoile brillante. Mais malgré qu'ici, à Sainte-Thérèse, là, l'étoile ici que je vais essayer, par exemple, ici, Zoubénèche-Chamali. Bon, enfin, bêta de la balance. C'est magnitude de 2.6. Ouais, c'est visible à la limite. Donc, je vais pointer mon télescope là-dessus et je vais faire un sync. Donc, je clique là-dessus. Vous avez, puis là, je peux faire sync. Ah, non, sync to coordinates is not allowed when tracking is false. Ça veut dire qu'il faut que je mette le tracking à on pour être capable de faire un sync. OK, je recommence. Autrement dit, là, je suis en train de suivre. Le moteur est en train de tourner lentement pour suivre le mouvement diurne de la Terre. Je recommence. Vise Zoubénèche-Chamali. Je fais un sync. Go! Et voici, la mire est sûre. Exactement. Et dans Chirik, vous pouvez faire aussi des petites corrections puis refaire le sync sur l'étoile si elle n'est pas centrée, par exemple, dans l'image de votre caméra. Une fois que je suis là-dessus, bien, tout ce que j'ai envie de faire, c'est me diriger vers M5. Je clique sur M5 et je fais tout simplement un go to. Je vais placer ça pour qu'on puisse le voir. Bon, vous allez voir évidemment les coordonnées se déplacer ici. En même temps, évidemment, que sur le modèle là, de simulation de ASCOM, en faisant le go to, l'étoile devrait, enfin, le télescope devrait monter pour aller se placer sur M5. Go to. Tic. Et voilà. Évidemment, c'est une simulation. C'est le simulateur d'ASCOM. Il est presque arrivé. Il ralentit au début, à la fin. Là. Puis quand il est rendu, ben, il arrête. Puis là, il se remet sur track. Quand on a fini, on peut faire un parc. Ça veut dire aller mettre le télescope à sa position de repos. Moi, ma position de repos, étant donné que j'ai un toit coulissant, c'est le télescope horizontal vers le sud. Autrement dit, il devrait se diriger ici, là. Azimut 180 et altitude 0. J'ai mis 1 parce qu'à 0, là, la mire disparaît. Fait que j'ai mis 1 pour qu'on voit la mire même. Donc, je fais mon parc. Vous voyez ici, c'est écrit parc simulé avec un go-to. C'est ce que j'ai choisi là, dans ma façon de faire un parc avec Chilix. Bon, n'oubliez pas d'arrêter le tracking si nécessaire, une fois arrivé, évidemment. Là. Et il est en train de faire son parc. Le télescope est en train de descendre. Là. Bon, il est rendu au sud. Et il va aller se placer à l'horizon. Télescope horizontal. Je vais pouvoir fermer mon toit d'observatoire. Mon dernier va arrêter de bouger. Ça y est. Fini. Arrêtez de traquer aussi, il est immobile. À ce moment-là, tout ce qui vous reste déconnecté. Et voilà. Fermez ça. Et ça y est, vous avez fini votre prise de photo. Mettons que vous avez fait le suivi avec ASCOM pour prendre une photo. Bon, il reste évidemment ensuite deux choses. Faire un pilotage avec Arduino et faire un atlas du ciel. Il reste ça dans ce soir. Donc, pour faire le pilotage avec Arduino, ben, j'utilise ici, si je vais vous montrer là, en plus gros, vous avez mon télescope là, qui est à côté de moi. Un petit télescope qui est connecté, c'est un télescope contrôlé par maison, là. Ben, c'est un télescope EQ5. Et j'ai changé la manette de contrôle ici. Vous voyez? Bon, ça, c'est la manette originale.
avec laquelle on ne pouvait pas faire des gros tours parce que la vitesse maximum, là, c'était 8x, c'est-à-dire 8 fois la vitesse sidérale. Bon, en changeant par un système avec, en gardant les mêmes moteurs, en mettant un système avec Arduino puis un circuit électronique que j'ai fait, je peux aller 10 fois plus vite, 80x, ça veut dire 20 degrés par minute. Là, on peut faire des go-to, même si c'est un peu lent. Ça pourrait être plus vite si on mettait des moteurs plus rapides. Et vous avez ici un modèle du nouveau avec la connexion pour une manette, la connexion pour les caméras d'autoguidage, etc. Ça fait que le télescope est déjà connecté. Je vais revenir dans l'écran. Bon. Et puis, je pourrais faire la même chose, c'est-à-dire partir de maintenant, aller observer M5 à partir de bêta de la balance. Mettons, disons que le télescope, présentement, il est en train, il vise, là, on le regarde à partir du sud. Oui, c'est ça, il est en train de viser un petit peu vers l'est, un petit peu en bas de l'équateur céleste. Oui. Et il vise l'étoile. Je suppose que je l'ai déjà aligné sur l'étoile bêta de la balance. Ça veut dire qu'on peut faire ça ici avec le pilotage. Mais là, c'est le pilotage avec Arduino et Skype et Kit. Je fais poursuivre. Je fais démarrer. Bon, j'explique pas toutes les petites affaires parce que ça serait trop long. Et là, je peux me connecter. Mais avant de me connecter, je vais juste vous expliquer ici, étant donné que c'est un système maison, il faut donner au contrôleur le nombre de micropas du moteur pas à pas que ça prend, 154,021 micropas par seconde, correspond à la vitesse sidérale. Puis la vitesse de go-to maximum, là, 12 288 micropas par seconde, c'est-à-dire 20 degrés par minute. Et vous avez d'autres choses à ajuster. Mettons dire que c'est un stepper et vous pourriez dire que c'est un moteur DC. Même chose pour la déclinaison. Bon, c'est le même moteur, la déclinaison, c'est le même type de moteur. Le moteur pour un porte oculaire, mais là, ça écrit qu'il n'est pas installé. Donc, je m'en vais dans le stage, je fais une connexion. Il est connecté, ça veut dire que ça marche. Mon système est complètement autonome, hein. J'ai une petite batterie au lithium connectée en arrière de la boîte de contrôle. Donc, je pourrais la porter dans le champ, là, un pas pesant, un U5, et puis le contrôler avec, mettons, un petit ordinateur portable. Ça irait assez bien. Une fois que j'ai ça, je m'en vais dans la boîte de contrôle. Première chose que je vais faire comme je faisais là avec l'autre. Je vais mettre ça de ce côté-ci. Je vais m'en aller. Ah oui, je vais faire faire un track. Ça veut dire un suivi là, à la vitesse sidérale. Ici, je vais cliquer sur mon étoile. Disons que je suis en train de la viser. Je fais un signe pour dire au contrôleur que je suis en train de viser cette étoile-là. Je retourne dans mon contrôleur. Je pourrais faire des déplacements ici avec la manette. Je peux faire toutes sortes de déplacements. Ici, on voit ici, il faut dire que c'est un télescope monture équatorial allemand, il faut dire que le tube est du côté ouest. Non, il est du côté est. Regarde, je me suis trompé, j'ai mis les ajustements dans les settings pour le côté est puis le côté ouest. Mais ça, on peut changer ça dans les settings. C'est pas difficile. Bon, ça va marcher pareil parce que je l'ai testé comme ça. Bon, puis là, je vais m'en aller sur M5. Donc, je clique sur M5 ici. Je fais un go-to. Je
Je ne sais pas si vous entendez un petit bruit, puis le télescope qui monte, là. Il est en train de s'en aller. C'est pas vite, hein, parce que c'est juste, c'est pas 4 degrés par seconde, là. C'est à cause des moteurs originaux, ils ne sont pas capables de faire plus vite que ça. Mais vous voyez, vous pouvez quand même faire des go-to en gardant les mêmes petits moteurs originaux d'un EQ5. En prenant une étoile de départ brillante qui n'est pas trop loin. Celle-là est à peu près à 12 degrés de l'objet à photographier. Bon, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué. Puis là, ben vous faites votre suivi. Quand vous avez fini, ben vous pouvez faire arrêter le suivi, retourner ici, faire la déconnexion, et c'est tout. Ça complète la section sur le contrôle des télescopes. Maintenant, dernière partie, faire un atlas du ciel. Jellix permet de faire des cartes du ciel, de n'importe quelle section du ciel, dans différents formats. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer ici. La première chose, ben, c'est ça. On va essayer premièrement avec Jellix de faire une carte. On peut faire des cartes d'objets. Mettons que si vous voulez une carte centrée sur un objet, ben, je pourrais faire une carte centrée sur M101. J'ai juste à écrire « chercher » et cliquer « voir sur une carte céleste ». Ça va faire une carte centrée sur M101. Bon, voici M101 puis est au centre de la carte, là. Mais ce que je voudrais faire, c'est pas exactement ça. Ça serait faire une nouvelle carte. Mettons, on veut faire des cartes de constellations. Une carte avec un zoom 1X, c'est-à-dire un champ assez grand. Non, zoom 2X pour juste une constellation. Hercule. Disons que 20 degrés par 24 degrés, c'est assez grand pour entrer la constellation Hercule. Il faut donc choisir 100 constellations. Hercule. Voici. L'époque 2000, on va le laisser comme ça. On peut mettre les étoiles jusqu'à la magnitude de 7.5. Format portrait. On fait une nouvelle carte. Et voici, vous avez une carte. Ce que je vais faire, je vais agrandir pour avoir là. Bon. OK, vous avez M13. Et vous pouvez évidemment faire des déplacements. Par exemple, ici, là, mettons que vous aimez mieux que ce soit là. Ici, vous avez l'étoile variable ici, mais le nom est caché par d'autres étoiles. Vous pouvez le déplacer en haut. Vous pouvez mettre le nom de ici, mais si vous n'aimez pas HER, juste comme ça, vous pouvez aller dans Modifier. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez changer. Au lieu de mettre le nom ici, vous pouvez mettre son nom en français. Au lieu de mettre juste l'abréviation. Et puis, vous avez le nom des constellations en français, Hercule par exemple. Et vous pouvez même, disons, mettons M13, si vous ne pouvez pas trop le coller, vous pouvez mettre, vous pouvez ajouter des lignes, vous pouvez ajouter des libellés du texte, comme ça par exemple. Et ce qui est intéressant en plus, pour finir, vous pouvez, une fois que vous avez tout arrangé, votre carte, la mettre belle, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez en faire un fichier PDF que vous pouvez distribuer en cliquant ici là, sur l'imprimante PDF. Disons que je veux faire un gros poster 11 par 17. Ben, OK, je clique sur OK, ça calcule automatiquement les marges, tout ça. Ça utilise le logiciel gratuit JS View, PostGun, qu'on va chercher sur Internet. Et la voici. Et vous pouvez, comme ça, avoir votre carte avec M13. Et si vous voulez, pendant que vous êtes dans JS View, ben, vous pouvez la convertir pour pouvoir l'imprimer en fichier PDF. Faites OK. Et puis là, ben, vous l'enregistrez sur le nom que vous désirez. Bon, je ne le ferai pas parce que de toute façon, je l'ai déjà. En allant ici, là. Ah, OK, ça alterne entre mon... Excusez. Ça alterne entre mon GSU. Je vais enlever mon GSU. Bon, OK.
voilà, j'ai ma carte que j'ai faite imprimer. Pas imprimer, mais que j'ai enregistré en format PDF. C'est un fichier PDF vu avec Adobe. Là. Et ce qui est intéressant, ça donne beaucoup de qualité. Par exemple, si vous grossissez, là, juste pour le fun, regardez, vous avez la qualité, là, c'est pas des pixels qu'on voit, là, c'est vraiment, je peux même grossir encore plus. Vous voyez? Juste pour montrer que vous pourriez faire des posters, puis ils seraient pas laids parce que les étoiles seraient vraiment rondes, les caractères seraient beaux. Donc, ça termine finalement la présentation. OK, je vais enlever ça. Je vais revenir en haut, un instant. Ici, à dire que je l'ai vu. OK. Et finalement, si vous voulez faire des cartes à la sauce culinaire, bien, vous pouvez changer les noms des constellations. Par exemple, la couronne boréale, la grande ours. Vous avez le nom français puis le nom latin. Cassiopée. Le nom le commercial puis le nom latin. Et le Sagittaire. Et il y a deux versions de Chelix. Il y a une version gratuite qui s'appelle Chelix Demo, puis une version Apex qui coûte à peu près 25 $ américains. Il y a des différences entre les deux versions que vous voyez ici. Par exemple, pour les éphémérides de la version gratuite, c'est de 10 ans dans le passé. Donc, vous ne pourriez pas, avec la version gratuite, aller pour Galilée. Vous pouvez aller à 4 mois dans le futur, mais 4 mois dans le futur, ça s'ajuste automatiquement avec le temps. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre logiciel dans 3 mois, ben ça va être 4 mois plus tard que 3 mois. Tandis que la version payante, ben, c'est 4 000 ans dans le passé à 4 000 ans dans le futur. L'almanach graphique, il est bon pour la version gratuite seulement pour l'année courante, tandis que pour la version payante, c'est payante pas cher, là. Sans limite. La magnitude limite des cartes pour la version gratuite, c'est 9, tandis que l'autre version, c'est le catalogue GSC jusqu'à 15. Les comètes, les astéroïdes, vous avez seulement le Minor Planet Center pour la version Apex. Vous avez aussi en plus le JPL. Les cartes du ciel, vous avez seulement un zoom 2X, c'est-à-dire 20 degrés par 24, tandis que le zoom maximum pour l'autre version, ça va jusqu'à magnitude 15 en plus, là, jusqu'à 2,5 par 3 degrés. Là, c'est des cartes vraiment agrandies. Quand vous regardez, par exemple, les galaxies là, dans la Vierge et tout ça, avec la version qui donne jusqu'à 16X, là, vous avez beaucoup, beaucoup de détails. Les étoiles doubles, ben, avec la version gratuite, vous avez les 2200 plus belles. La version payante, vous avez 100 000 étoiles avec le catalogue Washington Travel Star Catalogue. Et le pilotage de télescope, c'est équivalent dans les deux, évidemment en tenant compte des autres limites. Et c'est tout. Vous pouvez aller, pour le Chelix, vous pouvez aller sur le site indiqué qui est ici. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous avez le site comment utiliser Chelix, comment le commander, tout ça. Vous avez aussi d'autres pages de mon site. Vous avez ma galerie d'images, vous avez mon projet de motorisation avec Arduino, par exemple ici. Vous voyez? Bon. Et c'est tout. Merci beaucoup, M. Vallière, pour cette présentation très intéressante. Beaucoup de commentaires positifs. Beaucoup de personnes trouvent le logiciel très impressionnant, beaucoup aussi qui l'utilisent déjà depuis de longues années. Il y a eu quelques questions, donc avant de passer aux questions, un petit rappel, je l'ai mentionné au début, je l'ai écrit dans le clavardage, on a un petit tirage spécial ce soir pour tous ceux qui sont présents, qui laissent un commentaire dans le clavardage et qui sont abonnés à notre chaîne YouTube, donc on va faire tirer une licence du logiciel Chelix. Donc, laissez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, sinon, bon, on va passer aux questions. Il y en a eu quelques-unes, un peu beaucoup.
Je pense que beaucoup de personnes utilisaient déjà le logiciel. Donc, on a eu André Noël qui voulait savoir, pour les étoiles doubles, est-ce que ce sont toutes des étoiles doubles optiques ou dans Chillix, on peut demander des étoiles doubles réelles? Est-ce que je peux répondre? Oui. Oui, OK. Ben, c'est les deux, finalement. C'est des... Il y a des réels et puis des optiques. Maintenant, Chillix ne le dit pas. Mais dans le catalogue, il y a les deux types. Il y a des doubles réels, des doubles optiques. Il y a les deux types, oui. Mais ça serait peut-être mieux d'aller sur des sites spécialisés d'étoiles doubles pour aller voir lesquelles sont des étoiles doubles optiques, c'est-à-dire apparentes, là, parce qu'il y en a une qui n'est pas nécessairement reliée à l'autre, qui est simplement vis-à-vis dans notre ligne de visée, ou des étoiles doubles réelles, c'est-à-dire qu'il y en a une qui tourne réellement autour de l'autre. Mais des étoiles doubles réelles, là, ça doit être des étoiles doubles qui sont très, très rapprochées. Hein. Ça veut dire que ça vous prend des... par exemple, Epsilon de la Lyre, là, 1 et 2, là, j'imagine que ce sont des étoiles doubles réelles. Ils doivent être en gravitation, une autour de l'autre. Merci beaucoup. On a une question un peu plus technique de Richard Martin. Quelles ont été les étapes pour la création de Chillix? Combien de temps? Seul ou en équipe, avec quel langage de programmation? Il y a beaucoup de là-dedans. Bravo! Oui, bon, OK. Mais regardez, moi, là, j'ai commencé à m'intéresser à la programmation dans les années 80, là, quand c'était le début. Dans ce temps-là, il y avait un logiciel pas cher qui s'appelait Turbo Pascal. Bon, ça a évolué après avec Borland, là, Delphi. Donc, depuis ce temps-là, j'utilise Delphi. En fait, c'est du Pascal objet. C'est à peu près l'équivalent. C'est un langage comme un autre. Là. Les langages d'un à l'autre sont assez semblables. Hein. C'est juste les symboles qui changent. Une fois que tu as appris un langage, tu peux apprendre n'importe quel. Là. Donc, présentement, je peux faire des programmes en Java, en Pascal, en C++, en C#, n'importe quoi. Ça se ressemble. Là. Une fois qu'on est habitué, on peut les faire. Donc, mais j'utilise, en réalité, j'utilise Delphi de la nouvelle compagnie. Là, c'est plus Borland, là, ça a été vendu à une autre compagnie. Maintenant, c'est payant et c'est cher, mais il y a une version gratuite, étant donné que je fais ça, moi, pour la communauté. Ça s'appelle justement Delphi Community. Que vous pouvez utiliser. C'est gratuit. Ben, c'est comme la version de... voyons, la même chose pour Visual. Visual, c'est... Tu peux les avoir gratuitement. Là, il y a des conditions pour les avoir gratuitement. Il ne faut pas que tu fasses plus qu'un certain... en vendant tes logiciels qui sont faits avec, que tu fasses plus qu'un certain montant par année. Donc, j'utilise ça. Moi, je suis parti quand j'étais enseignant, comme je l'ai dit au début, j'ai fait un logiciel qui s'appelait Kepler pour l'enseignement de l'astronomie dans les cégeps. Et j'ai continué par la suite, là, comme j'ai pris de l'expérience, puis j'avais un certain nombre de codes de fait. Là. J'ai pris ce code-là en 2003 avec les droits d'auteur là, que j'ai pu récupérer pour faire Chillix. Et puis... J'ai continué avec ça. Ça fait quoi en 2003, là, 2020? Chillix a 17 ans. Là. Il y a 121 mises à jour. Réparer des bugs et puis faire des améliorations. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Monsieur Martin a même dit « Ah, Turbo Pascal, je l'ai utilisé. » Donc, il connaît le langage. Ah, c'est ça. Alors, on avait aussi une question, je l'ai perdue, en fait, de Luc Auger qui a été répondu par Dan Côté, vous pourriez confirmer. Luc Auger voulait savoir si on achète le logiciel et dans 2 ans, on change notre ordinateur, est-ce qu'on peut l'installer sans problème dans le nouvel ordinateur ou il faut retirer la licence et la remettre dans le nouveau? Dan Côté a dit, tu peux le réinstaller sur un nouvel ordinateur si tu perds ta licence,
Jean va te la renvoyer par courriel. Ça m'est déjà arrivé après un bris de disque dur. Moi, non. Quand tu achètes chez Lix, là, c'est pour la vie. Donc, c'est aussi longtemps que je suis vivant. Ben, de toute façon, la licence est bonne tout le temps, là. Ça veut dire que tu peux l'utiliser pour la licence, disons, tu peux la mettre sur trois ordinateurs que tu possèdes. Et si tu t'en pètes un, ben, tu peux transférer sur un autre, là. Il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, si je vois que des exagérations, là, sur les téléchargements de quelqu'un, ben, là, je vais avoir la puce à l'oreille, c'est tout, là. C'est bon pour tout le temps. Très bien. Paul Doran voulait savoir, dans le planificateur, prévoyez-vous activer objet choisi par l'utilisateur? C'est pas encore fait, ça. Ça serait une suggestion. Objet choisi par l'utilisateur. Ah, j'ai oublié d'en parler, hein. Quand on fait des listes, il y a une colonne à gauche et qu'on peut... mettons les objets messiers, là. Il y a une colonne à gauche où on peut cocher les objets qu'on veut avant de les imprimer. Ça veut dire qu'on peut faire imprimer la liste des objets qu'on a cochés seulement. Quand on enregistre un projet, c'est sous forme e-calendar, là. Ça veut dire qu'on peut l'importer dans un calendrier puis faire des bip-bip, mettons, s'il y a un phénomène, là, ou quand c'est le temps de voir un objet. On peut exporter puis importer seulement les objets qu'on a cochés. Donc, présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mettons, si on fait la liste des messies, on aurait les 110. Mais si on en coche une vingtaine, bien, c'est juste ces 20-là qui seront exportés. Puis plus tard, si on veut réimporter la liste, qui seront réimportés dans le projet. C'est ça. En fait, ça fait pas mal le tour des questions. Je vais lire quelques commentaires positifs qui sont apparus dans le clavardage. Donc, Julien Dompierre qui a dit « J'utilise Chillix depuis 8 ans. Je le recommande fortement. J'utilisais beaucoup pour préparer la présentation, celle du mois au club. » Dan Côté « Bonsoir, ça doit faire plus de 15 ans que j'utilise Chillix Apex. C'est un outil indispensable. » Mario L. « Je commence à comprendre pourquoi on ne pourra pas tout voir le logiciel ce soir. Très performant. » Paul Doran, j'utilise Chillix depuis 2011 et j'adore. Merci, M. Vallière. Et puis, Dan Côté encore, après l'avoir montré à des personnes qui débutent en astronomie amateur, c'est probablement le 35 $ qui a été le mieux investi. Donc, Luc Auger, j'ai bien aimé ton installation de votre platine XY pour la caméra. Y a-t-il un numéro de modèle? Un modèle pour quelle caméra? Votre platine XY pour la caméra. Ah, c'est Orion. Orion, OK. Orion, oui, c'est la marque Orion. C'est bien, c'est très, très pratique. C'est un outil là, que je ne regrette pas d'avoir acheté. Là. C'est vraiment pratique, oui. Parfait, ça fait pas mal le tour des commentaires les plus élaborés, des questions. Merci encore, M. Vallière. La présentation, comme je l'ai mentionné, va rester sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez la revisionner, suivre avec le logiciel en même temps. Pour tous ceux qui n'étaient pas présents aussi ce soir, donc on la recommande fortement. Et puis, comme je vous disais en début de soirée, c'est notre dernière conférence jusqu'à l'automne. On va prendre une pause pour l'été. Donc, je vais souhaiter un bel été à tous ceux qui nous regardent ce soir. Puis, je vous souhaite d'avoir des belles soirées comme celle de ce soir. Alors, là, il commence à faire un peu plus noir. Si vous êtes chez vous, vous pouvez... Oh oui. Je sais que M. Vallière va le faire. Ben oui, je m'en vais dehors là, tout de suite. Je vais reprendre ma deuxième soirée de photographie de M13. Là. J'ai fait la luminance avant hier. Là, ce soir, je m'en vais faire les couleurs. Bon, c'est parfait. On a une petite question. A-t-on dépassé le 100 abonnés? En fait, c'est 1000 abonnés. Malheureusement, non, on a un peu stagné. On est rendu à 617, si je ne me trompe pas. Donc, il nous en manque encore. Si vous connaissez du monde, vous pouvez, qui n'ont peut-être pas visité encore notre chaîne, vous pouvez recommander notre chaîne et puis leur suggérer de s'abonner. Et puis, sinon,
C'est ça. Donc, on verra cet automne. Peut-être qu'on va l'atteindre durant l'été ou cet automne. Alors, merci, M. Vallière, encore une fois. Puis, bonne soirée à tous. Bonsoir.